Ouais, je sens que je vais devoir tout tenir tout seul. Vos deux maîtres du feu, dont l'avatar, sont par terre. Eh ben heureusement qu'on devait aller défendre le pôle Nord, hein. Je retiens cette idée d'ailleurs, hein. Définitivement, hein, je retiens cette idée. Il aurait fallu que vous ayez Shunshi avec vous, mais elle est partie s'infiltrer dans les bâtiments avec moi. Ouais, on se... Ouais. Asda. C'est à toi de t'attaquer. Ouais, non mais je vais faire... Shunshi, vous faire exploser des trucs. Et je vais attaquer. Spoiler alert, elle vous aura pas entendu. Shunshi, bouge ta cul. Bon du coup, je passe ton tour à essayer de l'appeler, Sanko. Attends, quoi? Non mais j'ai dit je l'attaquais. Non? Ah non, pas. Soit tu tentes de l'appeler, soit tu l'attaques, faut pas déconner. Je vais, du coup de l'attaquer, encore un G d'eau. Tu t'avances. Je vais juste me mettre là pour te me perdre. Alors du coup, ton test, tu lui fais donc un G d'eau normal, lui il va tenter de se défendre normalement. Oh le Alors, fais-moi ton test de dégâts s'il te plaît. Combien est-ce qu'il reçoit? Je pense qu'il reçoit plus des dégâts. Oh cool. Non, échec apocalyptique, c'est KO. Plus égalé autour. Regarde. Ah oui. Ouais. Non, c'est un KO. C'est écrit. C'est un KO. Qu'est-ce que... Bah écoute, peu importe, vu le jeu de merde, c'est pas compliqué. Tu lui as envoyé... en fait, tu lui avais pas envoyé grand-chose, hein, mais visiblement, l'eau lui a cogné la tête contre son allié à côté de lui, j'en sais rien, mais en tout cas, tu as réussi à me le mettre KO, celui-là, d'un seul coup. En fait, il avait peur de l'eau et du coup, ça a réveillé sa phobie, il est mort. Voilà. Vous voyez, hein. J'ai faim. Mais quel con. Alors, celui-là, bah, il est KO. Tac. Celui-là, Mazda, il est en face de toi et tente encore une fois de t'attaquer. Avec une attaque de feu normale. Il rate Loupé. Complètement. Akatsuki. Elle est KO. Ah, bien content de voir un petit peu combat. J'aurais ça. Bah, que soudainement je me réveille en état d'avatar, ce que je doute. Ah, là c'est trop tard, le chaos. Oui, bah oui. De toute façon. Alors lui, il a raté aussi, décidément. Yes. Et celui-là, bah. Bosco, lui d'ailleurs, lui voilà, il aura fait qu'il se serait mis en alerte en mode soutien. Il t'aurait attaqué toi, Sanko. Voilà, voilà, il y en a déjà deux sur Malva, c'est pas les connaître. Tac. Putain, mais c'est pas vrai. Bah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Retenez bien ce qui s'est passé tout à l'heure, parce que je le ferai plus. C'est fini, ouais, ton moment de gloire est terminé. Ouais, ouais, complètement. Il est pas content, c'est pas vrai. Et bah, c'est pas plus mal, hein. Voilà, donc échec, envie de vous dire. Voilà, échec critique, voyons voir. Qu'est-ce que ça fait sur la question? C'est pas plus mal, hein. Dégâts divisés par 2. D'accord, donc du coup, on fait juste des dégâts normaux. À faire un 1, 3, on a rendu supérieur, on va passer à 2. Du coup, fais-moi ton test, s'il te plaît. Un D6. A ton avis. Bah, justement, je te tu demande. Tu fais ton test pour savoir si tu réussis d'abord et ensuite tu fais le G pour savoir combien tu. Ah bah hop, j'ai réussi, pas de problème. Voilà. Ça a toujours fonctionné et... comme ça, je vois pas pourquoi ça change. Ouais. Alors, du coup, tu. Donc, 2 points de dégâts, bah écoute, tu le contres facilement. Visiblement, il s'est bien mélangé les personnes. Mazda. Vous avez tué mon ami. Fais-moi ton test, dis-moi ce que tu fais au lieu de te glisser. Je crois que quelqu'un entre en état d'avatar là. Il faut oui, que... le pierre. Sur. Bah après je vois pas les points de vie donc bon. Bah c'est celui qui est en face de toi là qui est le plus touché. Celui-là là. Ouais tu l'avais déjà bien abîmé d'ailleurs, ouais, c'était okay. Avec ça d'ailleurs que tu l'as fait trop mal. Pas compliqué, tu leur fais la même, tu l'élimines. Oh putain, le 4 hein. C'est une critique, je me refais un dessin pour la table des critiques s'il te plaît. Lui il va tenter une défense normale. Alors je vais faire un échec critique avec ses conneries. Un échec tout court. Donc du coup vas-y fais-moi la table des critiques s'il te plaît. Mon ami 70 dans la table des critiques et tu fais juste le double des dégâts. Ce qui nous fait donc un total de 12. Tu le mets par terre. Yes. Tu l'as mis par terre avec une petite pierre encore une fois. Merlin, on va les oublier. Sanko. Oh. Une petite pierre. Et trop, motherfucker. Qu'est-ce que tu fais, Sanko? Un jet d'eau sur le monsieur qui est juste ici. Vas-y. Oh non. Et
Une échec critique, tu me fais ta table des critiques, s'il te plaît. Et je lance le dé. 68. 68, table des critiques, ça nous fait... C'est un petit... Okay. Aucun dégât. Encore comme ça. Ouf. Tu préfères limite, ça... Tu préfères faire aucun dégât. Tu es complètement... Non, non, mais je préfère... Plus malus de 10% au test de combat. De quoi? Bah, quand ah, tu oui, lis des... Oui, oui, non, oui, c'est ça. Donc, je peux lire, ouais. Tu as un malus de 10%. Toi aussi, mon petit... Je vais dire Fujio, mon petit Mazda. Hein, bon. Mais, ah oui, mais je te rappelle qu'avec le bonus d'aujourd'hui, ça me fait rien. Oui, oui, mais je tiens juste à préciser. Tu l'as déjà dit deux fois. Oui, mais je le préciserai encore. Et au tour suivant, je le préciserai. Mais je le préciserai autant que fois qu'il le faut. Mazda, il t'attaque, donc celui du haut, là. Attaque de feu normal, encore une fois. Il réussit. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mon point d'énergie, moi. 5 points de dégâts. Tu les retrouveras quand on dormira. T'as loupé, chef. Alors, tu te prends donc 4 points de dégâts. Ça va, je suis tranquille encore. Le soldat en face de toi, Kasanko, il t'attaque. Ça tient prêt. Ok, je tente du coup d'esquiver. Enfin, je tente... Ça passe! Danger pour voir les dégâts que tu comptes. Pile le totalement de, pile tout. Le nombre de points de dégâts que tu devais arrêter. Mazda, à ton tour. Oui, pas que Mazda, tu as un point. Mazda, 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 Mazda. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Une pierre sur celui qui est là. Sur celui qui est là, d'accord. Tourne-toi vers lui, s'il te plaît. Yaaah! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces FPS? Qu'est-ce qui se passe? Hop là! Trop de budget! Alors, ça nous fait 2 points de dégâts en moins, ce qui nous fait un total. Oh putain, il lui reste 1 point de vie. Il est très très mal. Sanko! Mais je retente un jet d'eau? Sur qui? Quand même, ça va pas. Bah, sur le monsieur, comme d'hab, et ça passe pas! Pistolet à eau? Ça passe toujours pas. Bah écoute, ce jeu là, du coup, ça tombera assez bien pour celui pour Mazda. Donc, lui t'attaque avec le truc de feu normal. Mur de terre! Oh, un échec critique! Un échec critique? Oh oui, tu me fais un test à la table des critiques, s'il te plaît. Et la roue qui tourne, la roue qui tourne rond! C'est bon ou c'est mauvais? Alors, tu as fait un 1. Attends, mais je dis une connerie, moi. C'est... Non, oui, si, c'est pas un échec apocalyptique. C'est pas un échec apocalyptique. Donc du coup, 7, tu divises les dégâts par 2 seulement. De quoi? Ah non, du coup, je prends deux fois plus de dégâts. Ah, mais oui, non. Oui, c'est échec critique, mais en cas d'attaque, oui, bah, c'est l'inverse. Donc, du coup, oui, tu prends le double des dégâts, ce qui nous fait un total de 4 plus 4, 9. Ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Non, me dis pas que. Non, me dis pas que je suis tout seul. Il a un point. Non! Et... Soigne! Justement, lui il est pas fou, puisque justement il a une attaque du monsieur et qui visiblement est très très mal en point, il va tenter de le finir avec une attaque de base du feu. Ouais, mais oui, non, il peut pas. Mais non, bah je t'en non. Supplie, esquive-le, esquive-le. Ouais, parce que alors si tout repose sur 5 coups, on est pas dans la merde. Merde. Ouais. Surtout qu'en plus là, le dernier qui. Il y a celui qui a un point de vie là qui est en face de lui, bah alors l'autre là en face là il est full life. Hein. Il a pas utilisé le moindre technique. Autant dire que Sanko c'était tout seul avec lui, il va te foutre sur la gueule. Mur de terre! Oui! Mur de terre, donc très bien. Donc plutôt mets-toi là. Voilà, tac. Donc du coup tu te protèges contre tout en face de toi, très bien. Donc ton mur de terre il a pris 3 points de dégâts. Et Mazda, du coup c'est toujours à ton tour, t'es là en face de toi avec ton mur de terre. Finis-le lui, je t'en supplie. Non, c'est pas lui, c'est celui qui est à gauche là qui a plus qu'à moitié. Ouais, on est d'accord. Oui, finis-le lui. Allez. Il a un dégât, c'est ça?
on se bat en arrière. Pierre. Je vois trop de ces Shunchi et et Kazé qui sont comme ça. Oh. Ah. Shunchi, Bosco et Kazé. On se bat en arrière. Alors du coup, Basta, qu'est-ce que tu as fait? Tu fais une cul de pierre. Donc tu... Ok, tu as fait sur lui. Fais-moi voir mon petit toi, comme tu fais un test de basique. C'est une échec critique, pas besoin de faire le test, donc tu l'as mis par terre. Il n'y a plus qu'un point de vie. Alors, Sanko. Je cherche un problème. Soin, tout de suite. Oui, ça... putain de job. Tu fais ton jet pour les soins que tu mets, s'il te plaît. N'oublie pas de te requérir, tirer les points d'énergie qu'il faut. Oui. Notre ami soldat qui est ici, Asda. Il va tenter de t'attaquer. Oui, reprends toi, fois, lui, il est pas mon content cher non plus. Il te regarde avec un joli sourire. Il va te balancer une lance de feu. Oh. Il réussit la lance de feu, c'est 2D. Non, j'ai mis plus. Là. Oui, oui. Voilà. Fait un total de 15 points de dégâts. Asda. Il y avait déjà son mur qui était là. Mais je vais me défendre en plus. Ah oui, il y a le mur. Mais le mur prend pas tout. Bah, en fait, bah si, oui, si. Bah si, le mur est obligé de prendre tout. Mais du coup, oui. tu retires 15 points de dégâts. Tu retires d'abord les points de vie du mur et ensuite sur toi. Mais je peux pas me défendre. Bah, tu te je peux pas faire la défense. T'as déjà le mur. Et alors c'était au tour précédent que j'ai utilisé. Oui, mais il est pas mort ton mur, il est là, il est toujours là. Bah, et alors c'est pas gentil, vas-y, fais ton test. Oui, parce que là, non seulement tu me rappelles que j'ai des malus tout le temps, il a déjà. Mais d'ailleurs, n'oublie pas que t'as un malus. Hein. Ouais. Ah, tu m'as dit GR. Fais ton test et fais pas chier. Alors... Ah, pas, c'est bon. Du coup, 2 voilà. points de dégâts, ce qui nous fait... Moins 3 points de dégâts. Bah tu retires donc tout ce qu'il faut retirer. L'autre, il est par terre. Asda, c'est à toi. Asda. Oui, bah une seconde. L'île Pierre. Avec du gravier. Il va tenter de se défendre normalement. Il réussit. Alors, ça fait combien de points de dégâts? Tu lui as fait 8, du coup... 7. Moins 7. Voilà, tu l'as fait assez mal. Sanko. Je vais essayer de l'achever avec un jet d'eau. C'est loupé. Du feu. Et il réussit. J'ai loupé. Du coup, on va considérer ce jet là pour ce jet d'attaque. Mazda. Ouais, mais on va pas déconner, je l'ai déjà fait. On va y faire une attaque normale sur toi, Mazda. Donc, du coup, ça fait 4 points de dégâts. Allez, Mazda, je t'en supplie. Mur. Ah. Mur. Oui. Mur. Oui. I will a wall. Non. C'est une défense basique. Et t'as fait une. Tu me fais donc le test de la table des... Même pas, c'est un échec apocalyptique. Oh merde. Apocalyptique, 96. Ouais, mais t'inquiète, parce que après le jour vient le printemps. T'as vu, ça marche, mes phrases à la con. Enfin, vous avez donc... Tu tentes un mouvement et tu te prends donc... son attaque de plein fouet. Qui te met KO. Ah non! Je compte sur toi, Sanko! Oh merde! Là, faut pas que je me loupe le jet d'eau. C'est ton tour. Oui, ça passe! Et bah, lui, il va faire une maîtrise de feu basique. Pour se protéger. Yeah! Arrêtez, s'il vous plaît, vraiment, vous me faites laguer de manière monstrueuse avec ça. S'il te plaît, Isa. Alors, allez, c'est encore. Oh putain, sérieux! Hop là, et lui, c'est son défis normal. Il reçoit donc 2 points de dégâts.
le soldat, il te regarde, il en a juste ras-le-bol, il te lance une lame de feu. Ouh, culé. Oh merde. Quoi, tu l'as pas gelé? Il résiste. Il réussit, pardon. Je vais tenter, j'ai réussi, ça fait 30 points de feu. Oui. 3D8. Oui, c'est la prochaine attaque que je veux débloquer. Donc c'est, oh putain. Ça fait 17 points de dégâts. Je vais tenter. Ça passe. D'accord. Je tente vraiment que de toute façon qu'on maîtrise. Fais-moi le test de défense. Ça me les bras cassés avec lesquels je vais te tomber. Tu retires donc 2 points de dégâts, ce qui nous fait un total de 15 points de dégâts sur toi. J'ai plus qu'un PV. Le soigneur qui refuse de heal, bordel de merde. Là, c'est soit je me... De toute façon, si je me heal là, il va me tuer. Non, mais je pas tout. Je tente le tout pour le tout. Paysans qui regardent crever des personnes qui m'aident. Je te dis de suite, personne n'est mort là. Je tente le gire. Le capitaine, il est pas mort là. Je oui, je sais, mais c'est pour me parler. Quand c'est mort, c'est au combat. Ça rate. Du coup, le soldat du feu, lui, tente encore une fois une attaque. Il se rate lamentablement. Il se rate, Sanko. À toi. Là en plus j'ai plus beaucoup de mana, je tente un jet d'eau. Tant pis. Mais dis donc, tu me dis une grosse connerie. T'as pas réussi ton jet, t'as un malus de 10%. Ah merde, putain, le 10%, merde. Eh oui. Oh bah quelle surprise. Au revoir. Ah bah du coup, non, la précédente attaque, tu t'es fait avoir. Vous êtes donc tous par terre. Isa, viens avec moi en arrière salle s'il te plaît. Isa. Le voilà. Pendant qu'il faisait le combat. C'est ça. On va faire un truc rapide, je t'en mets, je te rassure. Fais-moi un test de discrétion avec moi s'il te plaît. J'en fais un pour Shen-Chi. Putain, Shen-Chi, c'est une putain d'ombre. Vas-y, fais-moi un test de discrétion, toi. Oh là là, vous êtes des ombres. Mais maman. Vous êtes des ombres. Du coup, vous arrivez à entrer dans le bateau. Vous avez réussi à voir qu'il y avait d'autres personnes à l'intérieur du bateau. Vous avez pu compter, toi comme Shen-Chi, vous êtes retrouvé plusieurs minutes après. Vous avez vu qu'il y avait encore beaucoup de monde. Il doit forcément y avoir une dizaine de soldats qui sont en train d'attendre tranquillement dans leur coin, prêts à repartir. Il n'y a aucun problème, quoi. Visiblement, personne n'a été alarmé par ce qui s'est passé dehors. Visiblement, personne n'est au courant qu'ils sont en train de se battre avec les paysans. Alors, attends, s'il te plaît, je fais un test en caché. Ah bah il est pas si caché que ça. D'accord. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, vous entrez donc. Qu'est-ce que tu voulais faire à l'intérieur de ce navire? Voler des plans, des documents, de l'argent. Voler ce que je peux. Très bien, fais-moi un test de perception s'il te plaît. Un test de... Non, il n'y a pas de test de fouille. Vous avez fouille, il me semble. Fouille. Un test de mental. Ouais, bon, c'est pareil. De toute façon, malheureusement. Oh, j'ai réussi. Eh ben, Shen-Chi encore plus. Ok, donc du coup, tu vas réussir à trouver de la nourriture. Tu remarques qu'il y a un plan, très clair. Ce qui s'est passé... D'ailleurs, attends, je refais ça aussi. Putain, décidément, ils voudront pas. Tu vas réussir à trouver un plan. Visiblement, la Nation du Feu a tout préparé. Ils sont en surnombre, ils sont à 10 contre 1, là, contre la Nation du Feu. Tu peux les voir dans les plans, ils ont le soutien des forces de la Nation de la Terre qu'ils ont réussi à avoir, à savoir les forces de Vasinxé et de Machu. Ils ont le soutien de... Il y a deux nations contre une toute petite nation, quoi. En effet, c'est surprenant qu'ils aient le soutien de la Nation... Enfin, quoi que non, la Nation de la Terre, il y avait des... Ouais. Ils dominent, donc. C'est logique. Donc voilà, ils ont soutien. Moi, je prends... En revanche, tous les tu prends tout ce qu'il faut, bien sûr, il n'y a pas de problème, tu pourras expliquer tout ce plan à tout ce beau monde. Par contre, tu peux voir en fonction du jour, tu sais que les troupes ne sont pas encore prêtes. Ils attendent en fait d'être tous là, de bien entourer le pôle Nord pour éviter que les fuyards foutent le camp. Ils veulent refaire exactement ce qu'ils ont fait pour le pôle Sud en fait. Ils veulent absolument traquer tous les maîtres de l'eau et pour les enfermer dans une prison spéciale. Oui. Et du coup, en fait, c'est pour ça. Là, ils sont pas encore en face des portes du pôle Nord, ils attendent de faire bien tout le tour, et c'est pour ça que vous avez vu autant de navires. Tu ne retrouves pas Shen-Chi.
tu ne sais pas où elle est. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Oui. Punaise. T'as fait un récit critique. Tu aurais pu entendre du vacarme dehors, en remarquant un petit peu ce qui se passe, tout en fouillant le bureau où tu étais. Tu vois dans un hublot, oui. Tu vois que tous tes copains se sont fait péter la gueule. Tu vois que Sandko est sur le point de tomber. Le temps que tu cours, en fait, tu peux être sûr que en fait il va être par terre. Est-ce que tu les rejoins pour tenter de faire quelque chose? Je trouve pas Sunchi. Est-ce que j'ai vraiment eu le temps de fouiller ce que j'ai pu, trouver de l'argent, peut-être de l'or, des trucs comme ça? Y a pas, c'est un truc de guerre, tu trouves pas... Rien. Des provisions. Bah de toute façon, Sunchi est parti à la cuisine, donc ça c'est sûr, il y en a. Mais encore une fois, il y a beaucoup de monde dans le navire. Ils sont une vingtaine. Ouais. C'est pas faux, donc après je suis pas fait pour le combat, donc je pense que si je me serais faufilé, ça aurait été discrètement sur un coin du navire. Je te dis pas que tu vas combattre, je te demande ce que tu veux faire justement. Bah une fois que je serai sûr d'avoir vraiment tout fouillé, d'avoir regardé combien il y avait de personnes à peu près dans le bateau, d'avoir pris des informations et avoir pris vraiment le maximum que je pouvais, je serais retourné au-dessus du navire dans un endroit safe. Très bien, remonte avec moi. Le feu. Et petit. Vous êtes tous par terre. Aïe. Il y a le soldat du feu qui visiblement est pas content du tout. Vous l'entendez en train d'engueuler les villageois, essayer de comprendre ce qui se passe, qui sont ces gamins, d'où ils sortent, etc. Je vais retirer les roussets en arrière-plan. C'est normal qu'on n'entend pas la musique confrontation. Oui, je l'entends. C'est toi qui m'entends. Juste très très légère. Très très légère aussi. Je vois pas les points de vie là. Combien de points de vie le bus? 10 000. C'est-à-dire je crois que tu parlais de l'ours. Tu parles du mec, il est à moitié crevé. Tu vois qu'il est pas bien. Ah non, mais j'inflige rien, je suis pas fait pour le combat. Je vois qu'il y a mes compagnons en bas. Du coup, pendant qu'il est le dos tourné, je vais commencer à les mettre en lieu sûr. T'as les villageois qui te voient. Hein. Oui, mais je pense qu'ils vont peut-être pas me faire chier directement. Je te dis de suite que les villageois ont pas compris ce qui vient de se passer là. Ah, ils sont trop cons, merde. Je n'avais pas prévu la connerie des villageois. Non, mais se fout de ma gueule, c'est vous qui arrivez sur un galiot pour assommer les mecs qui arrivent. Ouais, mais ils avaient pas qu'à être si cons d'abord. Alors, je vais avant de commencer à aller en bas, je vais leur faire un signe de... Prie pour que je fasse à manger. Bande de cons, je le sens quand même. Tu as un des villageois qui te pointe du doigt, qui dit aux soldats, il y en a une, elle est là, sur le bateau. Je me cache, je cours. Fais-moi ton test de discrétion, s'il te plaît. Bordel de couilles. Fais-moi un échec critique, je t'en supplie. Non. Tu vas dans le bateau, tu te fais poursuivre. Tu es super rapide. Oh putain. Et bah lui... Il est allé grimper sur le navire et il va fouiller. Et Sunchi, elle fait rien, elle? Déjà, il faudrait qu'elle soit là. Pas de nouvelles de Sunchi. Oh putain, j'aime pour ça. En train de se gonfler la cuisine. Tu fonces dans un navire avec plus d'une vingtaine de soldats à l'intérieur, là. Est-ce que, en avançant, je peux essayer, dès que je vois un rocher... Enfin, en gros, tu sais, c'est se cacher. Dès que je le vois aller d'un côté, hop, je saute sur le rocher. D'accord, si tu veux. Non, plus en gros, pendant qu'il est en train de fouiller dans le bateau... Tu utilises ta maîtrise ou tu fais de l'acrobatie? J'utilise... Je vais faire de l'acrobatie. Fais-moi donc un test d'acrobatie. Très simplement, c'est plus qu'il vaut écho, donc bon. Et si tu réussis à ça, les villageois t'applaudissent. Bon. Tu fais réussite critique, tu arrives comme une gymnaste sur le bout du bateau... Tu as donc le mec là-haut là qui te hurle de revenir ici. Come here, motherfucker. Vous avez chaud à chat, t'es sérieux là? Si je passe devant les villageois, je dis mais bordel de merde, on essaie de vous aider, vous pouvez pas nous aider?
Tu vois que les villageois sont vraiment pas contents de ce que vous venez de faire et tout. Ils comprennent pas vraiment ce qui vient de se passer. En fait, ils savent pas qui vous êtes ni rien. Ils sont un petit peu choqués de ce qui vient de se passer. Mais surtout, là, tu vois qu'en fait, ils sont pas plus tes copains que le mec du soldat du feu. Bande de français, collabo. Bon bah lui, du coup, tu le vois tenter de... Tu le vois sauter pour tenter de te rattraper. Il se pète la gueule, la tête la première dans le sable. Profite-en, c'est le moment. Je peux en profiter pour genre sortir mon arme. Et s'il a les jambes à l'air, on le sent qu'une belle brochette de gonade. Allez, c'est le moment de le finir. Une brochette de gonade. C'est quoi? On va penser que c'est le... Je fais le test en merde, c'est le triple des dégâts. Écoute, faut juste pas que tu rates. Je t'en supplie. Brochette de gonade, allez, fais-moi pour les dégâts, s'il te plaît. Alors attends, faut que je regarde les dégâts de mon arme. Oui, bon, bah c'est juste un D6 quoi. Fois 3 puisque c'est le triple des dégâts. Attends, pourquoi le double? Avait-il le triple la dernière fois? Avait-il le triple? C'est avec quoi le triple? Ah oui, c'est plus bas. Bah oui, non, j'inverse le truc. Je m'inverse le truc dans ma tête, c'est ma faute. Du coup, oui, le triple. Le triple des dégâts. Bah c'est 9 du coup. Oh putain, 9. Tu te fous de la gueule. Non, ne dis pas qu'il reste un bébé. Non, justement, c'est plus le nombre de points de vie. Oh, c'est ça, allez. 3 fois 3, 9. Tu n'y crois pas, tu fais des dégâts dans un combat. Je servis. Ouais, ouais. Voilà, bravo. C'était l'acte le plus ridicule que j'ai jamais vu. Alors, tu as donc les villageois qui sont là... un peu abasourdi, ils comprennent toujours pas ce qui vient de se passer. Bref, vous me remercierez plus tard, je dois filer. Pasco, va chercher ton maître. Il est à terre, connasse. Alors. Mais moi, pendant ce temps, je vais charger les personnes sur le dos de Pasco. Par contre, tu as un gars qui s'avance. Et qu'est-ce que vous avez fait? Essayer de comprendre ce qui se passait, et je voyais qu'apparemment ils vous emmerdaient, donc on essayait de faire en sorte qu'ils arrêtent. Disons qu'on a nos comptes à régler avec eux. Fais-moi un test de persuasion, s'il te plaît. Test de charisme. C'est du bleu. Attends, ah non pardon, tu mens. J'ai pas compris, t'as dit la vérité là. Oui, du bluff. Ah d'accord, bah fais un test de bluff. Je sais pas, bluff, pour moi, c'est mentir, donc t'as pas menti là. Bon, dans tous les cas, que ce soit bluff ou pas, je réussissais à manger. Voilà. Donc du coup, tu discutes un petit peu avec eux. Là, tu as donc la personne qui s'avance, qui a l'air d'être un petit peu le responsable, on va dire. Enfin, je crois que vous avez pas compris. C'est très honorable ce que vous venez de faire, mais on va avoir des problèmes, nous, maintenant. Faudrait trouver un moyen de faire bien comprendre que ce ne soit pas vous. Peut-être qu'on pourrait simuler une attaque du village et faire croire que dans ce cas ce sont simplement des brigands qui les ont attaqués et vous également. Comme ça on n'a plus de village. Il a dit quoi? Et comme ça on n'a plus de village, il dit. Je sais pas pourquoi vous avez fait ça et techniquement je vous remercie. Mais là je pense que vous avez fait qu'aggraver la situation. Si ça vous dérange pas. Vaudrait mieux que vous partiez. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Le temps juste pour moi de ramener mes camarades et ce sera bon. Du coup, bah moi, j'attends que Bosco y revienne et que je lui charge des corps sur le dos. Hein. Des corps? J'ai pas de minimum, ouais. Ils sont pas morts. Enfin, mes compagnons endormis. Voilà. Alors du coup, par contre, là, après un bon petit moment, vous avez... Je vais me chercher tout ce temps.